Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre. Le voici, c'est un livre en anglais. Je vous lis le titre qui est écrit ici. A good day. A good day, ça veut dire une bonne journée. L'auteur, c'est Kevin Enkies. Il a fait à la fois les dessins et il a écrit les textes qui sont dans le livre. Je vais vous présenter les quatre personnages. Vous avez vu, un, deux, trois. C'est les quatre personnages principaux. Je vous les présente. Le petit oiseau jaune, le petit chien blanc, le petit écureuil marron et le petit renard orange. Je vous donne leur nom en anglais. Little yellow bird, little white dog, little brown squirrel, little orange fox. Vous avez peut-être entendu des mots que vous connaissez. Ce sont les noms des couleurs. Yellow, white, brown, orange. Certainement vous connaissez orange et yellow. C'est les couleurs des animaux qui sont ici. Nous allons commencer la lecture du livre. Vous voyez ici, on retrouve le nom de l'auteur et le titre du livre. It was a bad day. Alors ça veut dire c'était une mauvaise journée. Vous vous souvenez, le titre c'est A good day. Mais en fait au début, it was a bad day. Ça veut dire qu'au début c'était pas une bonne journée. On va essayer de comprendre pourquoi. Little yellow bird lost his favorite tail feather. Favorite tail feather. Lost. Little white dog got her leash all tangled up in the fence. Little orange fox couldn't find his mother. Il ne peut pas trouver sa maman. And little brown squirrel dropped her nut. But then little brown squirrel found the biggest nut. Biggest nut ever. Big. Wow. Little orange fox turned around and there was his mother. Yeah. Little white dog worked herself free and ran in circles through the dandelions. The dandelions turn circles. And little yellow bird forgot about his feather and flew higher than ever he had before. Higher. Le plus haut qu'il ait jamais volé. And there's more. Il y a encore plus. Écoutez bien. A little girl. A perfume
Perfect Yellow Feather. Picked it, tucked it behind her ear, and ran to her mother, shouting. Elle dit quelle belle journée. Et oui, elle est très contente. Elle a récupéré la petite plume jaune qu'avait perdue Little Yellow Bird. Regardez cette dernière image, je la rapproche. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Ici, on voit The Little Orange Fox avec sa maman, with his mother. On voit The Little Brown Squirrel. On voit The Little Yellow Bird, ici, The Little White Duck. What a good day for them! So this is the end of the book. Ok, j'espère que vous avez aimé ce livre et que vous passez vous aussi a very good day. Bye bye!